trop bien fait, Toto. C'était comment cette première nuit? Tu viens avec maman? Oh là. Oh mon amour. T'es trop contente de toi? On va faire des câlins dans le lit de maman. Hein? Parce que maman est trop fière de toi, là. Tu te rends compte? Première nuit dans ta chambre comme une grande. Alors là, première nuit dans ma nouvelle maison. Grande surprise, un truc de fou. Swy a dormi de 19h30 à 7h30 sans réveil. Je reviens pas, quoi. Swy, elle a dormi dans sa chambre, dans son lit, sans se réveiller, et puis surtout d'une facilité. Mais elle m'impressionne, je suis trop trop fière d'elle. Regarde, on n'est pas bien là. Oh là 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 là. Premier réveil. Regarde-moi ce lever du soleil en plus, mais comment c'est canon. Petit lever du soleil, vu sur le petit jardin, au calme. Alors là, on est au top, hein. Ouais, t'es content? Non, mais le jardin, mais c'est la vie. J'avoue, ça me réconforte dans mon choix et dans ma décision de me dire vive le sud. Tu veux que maman mette un petit peu de musique, là, pour s'ambiancer, avant d'aller prendre le bibi? Viens, on met un petit Beyoncé, là. King already, already, you know it. Top everything, everything, you know it. King already, already, you know it. On met le pantalon et après tu danses, hein. Ah non, mais Swy, son adaptation, mais comme ça, quoi. Elle détendue dans le lit, elle est même contente, elle danse, je mets de la musique, on s'enjaille. Non, mais c'est vrai que c'est un moment juste. Premier réveil, il est juste sublime, quoi. Je peux pas rêver mieux. Bon bah voilà, le seul petit déj que je peux me faire. Mais c'est pas possible, il va vraiment falloir que j'aille m'acheter un frigo parce que... je veux bien vivre comme ça pendant 2 jours, mais pas 2 semaines, hein. Concernant mon petit déjeuner à moi, c'est vrai que là, c'est un petit peu camping, camping 0 étoile, je sais pas si ça existe, 0 étoile. Moi, là, vraiment, j'aurais préféré un vrai jus d'orange bien frais, du beurre bien frais, avec des tartines. Et là, malheureusement, je me rappelle très très vite que je n'ai pas de frigo. Moi, ce que je te propose, ma fille, parce que, tu vois, quand même, le frigo, c'est un petit peu la base d'une maison, surtout pour ta maman, tu vois. Ta maman, elle adore manger, elle adore cuisiner. Même pour recevoir des gens. Ici, c'est la ville de l'apéro, quand même, tu vois. Donc là, actuellement, on peut pas prendre l'apéro à la maison. Maman prend son petit déjeuner de camping. Et ensuite, on se prépare pour aller voir pour un bon frigo.